Bonjour. In this video, we shall learn how to ask for and understand directions in French. We shall see and hear some dialogues and also some vocabulary. One of the most common ways to ask someone something in French is using the phrase Est-ce que vous savez où est? After OE, you can give the name of the place you're looking for. For example, Est-ce que vous savez où est le musée d'Orsay? A more simpler, but also more informal way is simply to use OE. Où est le métro le plus proche? Où est la gare? Où is preferably used only with people you know. If you are going to ask someone on the street something, then the best way is to use Est-ce que vous savez où est, which is more polite and more formal. Où sont? Où est is used to ask for directions if the name of the place you're looking for is singular. If it's plural, you should use Où sont? Où sont les toilettes? Est-ce que vous savez où sont les Champs-Élysées? Où est-ce que je peux trouver? You can use this sentence if you're lost in a French city and want, for example, to find an ATM. Où est-ce que je peux trouver un distributeur de billets? You can also use this to ask for any particular place or thing, not just an ATM. Est-ce qu'il y a, then the name of the thing or place, près d'ici. If you're looking for something but aren't sure whether you can find it nearby or not, you can use Est-ce qu'il y a and then près d'ici. Add the name of what you're looking for between il y a and près. Est-ce qu'il y a une banque près d'ici? Est-ce qu'il y a une banque près d'ici? Est-ce que c'est loin ou proche? Est-ce que c'est loin ou est-ce que c'est proche? This literally means is it far or near? Loin means far and proche means near. Est-ce que le musée d'Orsay est loin d'ici? Instead of loin, you can also use proche. Est-ce que je peux y aller à pied? Est-ce que je peux y aller à pied? You can use Est-ce que je peux y aller à pied to ask if something is within walking distance. The following words can be used when asking or receiving directions in French-speaking countries. Nord, sud, ouest, est, tourner à droite, tourner à gauche. Nord, sud, ouest, est, tourner à droite, tourner à gauche. Et une carte au coin d'or. Centre, derrière, devant, la prochaine rue, là-bas. Le centre du rue à côté de et une carte au coin de centre derrière devant la prochaine rue là-bas le centre du rue à côté. This is a dialogue. Madame Leblanc, comment est-ce que je vais au musée? Comment est-ce que je vais au musée? Le marquis. Le musée est à peu près à 1,5 km d'ici. Le musée est à peu près à 1,5 km d'ici. Où est la banque la plus proche? Où est la banque la plus proche? Tournez à droite et c'est la première rue à votre gauche. Tournez à droite. Et c'est la première rue
à votre gauche. Some prepositions for locations of things. En l'air, en arrière, en avant, en bas, dans, derrière, devant, en haut, par terre. En l'air, en arrière, en avant, en bas, dans, derrière, devant, en haut, par terre. Here are some nouns or names of places. L'aéroport, l'autoroute, la banque, le bistrot, le bureau de change, le café, le carrefour. La cathédrale, le centre-ville, le cinéma, la cité universitaire, le commissariat, l'école. La galerie, l'hôtel, l'intersection, le jardin, le magasin, le métro, le musée. Le parc, le parking, la piscine, la plage, la rue Saint-Signy, la soupérette, le tabac ou le bureau du tabac, le trottoir, le théâtre. Here's a dialogue. Excusez-moi, monsieur, je cherche un bureau de poste le plus proche. Excusez-moi, monsieur, je cherche le bureau de poste le plus proche. Le plus proche est dans la rue Livingston. Le plus proche est dans la rue in the name of the street. Connaissez-vous le chemin le plus facile pour y aller? Connaissez-vous le chemin le plus facile pour y aller? C'est très facile à pied et pas loin. Vous voyez ce carrefour? Continuez de 3 sur 500 mètres. Vous tournez à gauche et continuez jusqu'au rond-point. C'est très facile à pied et pas loin. Vous voyez ce carrefour? Continuez 2-3 sur 500 mètres, puis tournez à gauche et continuez jusqu'au rond-point. Et après le rond-point? Et après le rond-point. Eh bien, vous traversez le parc. Le bureau de poste se situe à 3 pas de maison sur votre droite. Ça devrait vous prendre 15 minutes à vitesse normale. Eh bien, vous traversez le parc. Le bureau de poste se situe à 3 pas de maison sur votre droite. Ça devrait vous prendre 15 minutes à vitesse normale. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Here are some common phrases. Oui, juste tous trois. Oui, juste tous trois. Il faut aller tous trois. Il faut aller tous trois. Excusez-moi, je cherche la boulangerie. Excusez-moi, je cherche la boulangerie. Si vous allez tout droit, puis à droite à la rue verte, elle est au coin de la rue. Si vous allez tout droit, puis à droite à la rue verte, elle est au coin de la rue. Où est le pont? Où est le pont? Prenez à gauche au parc. Prenez à gauche au parc. Est-ce qu'il y a un restaurant à côté? Est-ce qu'il y a un restaurant à côté? Il y a un restaurant italien au sud de la gare. Il y a un restaurant italien au sud de la gare.
Le temps est près du métro. Le temps est près du métro. La maison est en face de l'église. La maison est en face de l'église. Il y a un supermarché au coin de ma rue. Il y a un supermarché au coin de ma rue. Pouvez-vous me dire comment aller à Notre-Dame? Pouvez-vous me dire comment aller à Notre-Dame? Here are three ways in which directions may be given. Prenez à droite, puis allez tout droit, et enfin, prenez à gauche au parc. Prenez à droite, puis allez tout droit, et enfin, prenez à gauche au parc. Prenez à droite et après, allez tout droit. Prenez à droite et après, allez tout droit. Prenez à droite, puis allez tout droit. Prenez à droite, puis allez tout droit. That brings us to the end of this video on directions. Merci, au revoir.